Laissez-moi debout, s'il vous plaît. Ici, c'est une bibliothèque. Excusez-moi, madame. Une très bonne nouvelle. Je vais informer mes amis. Bientôt, vous avez appris la nouvelle. La brute de Jonas a été condamnée. Sincèrement, je suis hyper, hyper contente. Donc, il faut qu'on fête cela. On se retrouve dans une heure de temps maximum, hein, au glacier. Je vous invite et je gère tout ça, d'accord? On doit fêter cela. À tout à l'heure. Ciao, ciao. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Enfin bref, mon corps est très content parce que la brute de Jonas a été en fait condamnée. Et je sais que Amélie, depuis là où elle est, elle va se reposer en paix. Et je vais tellement bien dormir ce soir. Et on doit fêter ça à fond. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Moi, je suis d'avis, hein, parce que il n'a eu que ce qu'il méritait. Ah, c'est clair. Et ça prouve qu'il y a un soupçon de justice dans ce pays. Je suis totalement d'accord. J'en connais quelqu'un qui n'est franchement pas d'avis. Tu mens. Brent, ça va? Les amis, vous savez, je ne vous comprends pas. C'est bien que Jonas soit puni pour ce qu'il a fait. Mais de là, en faire une réjouissance, je pense que c'est trop. Ah bon? Si. Certes, les juridictions ont dit leur dernier mot. Mais on peut rester indulgent avec lui. En gros, on est ici pour fêter et se réjouir du mal de quelqu'un. Finalement, on n'est pas différent de la personne.